Premier ministre François Legault dit qu'il a bon espoir d'en venir très prochainement à une entente avec les enseignants en grève de la FAE et du Front commun. Un optimisme malin qu'on retrouve pas du côté du syndicat de l'autre côté de la table de négociation. Ouais, c'est pas le cas. Écoutez, dans les messages qu'on nous a envoyés du côté de la FAE au cours des dernières minutes, on dit que le premier ministre souffle le chaud et le froid. Il y a Conseil des ministres actuellement qui vient de débuter à l'édifice du premier ministre derrière moi. Ce matin, François Legault affichait un optimisme pour les enseignants en disant que ça pouvait se régler d'ici lundi. Pas du tout du côté des infirmières. Écoutez les réactions qu'on a recueillies auprès du gouvernement ce matin. Ça va bien, très bien, les négociations avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter des gens dans les classes. Puis ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. Moi, je considère présentement qu'on a tout sur la table, tous les éléments essentiels pour trouver un règlement le plus rapidement possible. Et la fin de la semaine, je pense que c'est réaliste d'y penser. Pour ce qui est de la santé, c'est très, très difficile, les négociations. Il n'y a à peu près aucune ouverture à nous donner la flexibilité qui est absolument nécessaire pour améliorer les services en santé. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va aller plutôt en janvier. L'enjeu principal, c'est la gouvernance syndicale. Ça, le syndicat, entre autres, les syndicats de la santé, sont très rébarbatifs en ce moment à faire ces aménagements-là. Alors, nous, on va être très fermes. Le premier ministre l'a dit, ça nous prend des ajustements dans l'organisation de travail, puis on est prêt à monter les salaires. Mais il faut avoir quelque chose en échange. Alors, on entend donc du côté de Québec, il n'y a rien qui va en santé, mais on dit que les nouvelles sont très bonnes en éducation, notamment. Les syndicats, eux, ne voient pas de règlement imminent là, quand on leur parle. Non, c'est le message qu'ils ont envoyé ce matin. Il n'y a rien d'encourageant, même qu'ils accusent le gouvernement de jouer aux montagnes russes. Vous en attendez José Scalabrini et Mélanie Hubert. François Legault, on a dit bien des choses hein, dans les derniers mois. Donc, moi, j'attends toujours d'avoir la preuve avant de me réjouir. Une négociation, c'est souvent les montagnes russes. Encore jusqu'à hier, on n'avait pas commencé à parler concrètement des priorités des enseignants. Une négociation, ça ne peut pas se passer en 48 heures ou en une semaine. Et avec le niveau d'avancement qu'on avait encore hier soir, mais je ne demande pas mieux qu'à être surprise. À la reprise des travaux ce matin, la conversation n'était plus aussi encourageante et on est retombé un petit peu dans le même mode qui est le nôtre depuis un certain temps, c'est-à-dire le bon vieux réflexe, c'est au syndicat de nous faire un retour maintenant. Ça, c'est le message de Mélanie Hubert hier qu'elle a fait à ses membres sur les réseaux sociaux. Si c'est à l'image de la météo à Québec, Michel, pas l'impression que ça se réchauffe vraiment. Ça se rafraîchit. Merci beaucoup, Alain.